Bonjour à tous et à toutes pour ce Nano Chio, le premier cours de la communauté de Tilsit pour nous permettre de communiquer avec les personnes qui reçoivent la newsletter. Pour ces personnes, je vous pose la question suivante. Est-ce que nous sommes tous au-dessus de tout soupçon? Est-ce qu'on est tous au-dessus de tout soupçon? C'est-à-dire que est-ce qu'on a le droit de se croire au-delà de toutes les critiques et laisser les critiques couler, comme le célèbre adage dit, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Est-ce qu'on a le droit de laisser la critique s'installer et le doute planer sur nous? Eh bien, Moshe Rabbeinu nous répond dans la paracha de Pekoudé. Et les Pekoudé Mishkan, voici la distribution exacte de chacun des sous qui a été dépensé pour la construction du tabernacle. Effectivement, lorsque Moïse a récolté, lorsque Moshe Rabbeinu, après la collecte des fonds pour l'érection du tabernacle, eh bien, on a commencé à le soupçonner, eh bien, il y a eu des sous qui se sont baladés, est-ce que tu ne trouves pas que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il a pris nos sous... Alors Moshe Rabbeinu a dit la chose suivante, voilà le détail exact de chacun des sous que j'ai reçus et que j'ai décidé d'investir dans tel ou tel élément du tabernacle. On apprend de Moshe Rabbeinu, l'homme qui aurait pu être considéré comme au-delà de tout soupçon, bien on apprend de lui qu'on a l'obligation de faire taire les rumeurs et de, une fois pour toutes, rétablir la vérité lorsqu'on nous accuse de quelque chose. Voilà la petite leçon du Nano Shiur. Shabbat Shalom.